C'est un plaisir pour nous entrer la CAO pour nous porter pour Info Pacifique. Main tout point pour nous développer pour dans le journal ça. Juge d'instruction Jean Osner Petit Papa interdit ancienne directrice générale, ancien service métropolitaine pour ramasser résidus solides SMCRS Magali Habitant qui était payé. C'est juge d'instruction Merlin Bilabré qui a mené enquête sous dossier gros chef gang Arnel Joseph là, d'après doyen tribunal première instance Port-au-Prince Maître Bernard Saint-Ville. Des moun mouri, plusieurs autres blessés dans un accident machine jeudi soir dans impasse Rémy dans Delma 32, c'est une machine qui perd du frein qu'à l'entrée sous plusieurs jeunes qui tapent jouer football. L'Union européenne décaissait 9 millions d'euros pour aider l'administration Moïse combattre la crise humanitaire dans le pays côté moun pas qu'à manger. Dans le pays l'étranger pour Pibiti, des moun mouri, 25 autres blessés jeudi a dans une explosion et une bombe dans une mosquée dans Baloutchistan, une province instable qui est dans le sud-ouest pays Pakistan. Toujours dans l'actualité internationale, là, aux États-Unis, le démocrate Rachid Bataib décidé par Al-Cisjordanie, pays Israël occupé dans Palestine, à cause de trois conditions racistes, autorités opposées. C'est tout point ça qu'on a bien pour nous développer pour nous. Journal là, restez branché. En général, moun pa rèmè pran asirans. Yo konsidere ke son lajan rejete. Et pourtant, l'ajan asirans te dwe nan budget ou akote l'ajan kay ak l'ajan manje. Li la pou li dè ou travè son mouvè pa. Gade tout akote ou. Ou awè kouman gros problème kon antre sou moun sans atann. Mande Diye pardon, sa karive ou tout. Une assurance d'eau, précaution pas capon. Les mal arrivés, les faux amis flair à saison, a fait comme si vous pas de jambes connaissez. Une assurance a pris à faire au bout du jour, continuez vivre la vie, quittez ce coup-là, non même. Une assurance. Vivez en toute assurance. Merci parce que vous êtes toujours ensemble avec nous, messieurs, dames et journal là en détail. Juge d'instruction Jean Osner Petit Papa a ordonné directeur service immigration Joseph Sian-Sioli pour prendre toute disposition pour empêcher ancienne directrice générale, ancien service métropolitaine pour ramasser résidus solides SMCRS Magali Habitant quitter pays à non avion, non machine ou bien non bateau. C'est dans quatre dossiers cette mécénat la police a arrêté au mois février passé. Juge la prend décision ça. Ancien ministre délégué qui responsable question électorale Fritz Jean-Louis pas droit quitter pays à tout. Magali Habitant a acheté une machine, il a fait enregistrer sous nom Fritz Jean-Louis, mais ce n'est pas servi avec machine ça. L'autre dossier doyen tribunal, première instance Port-au-Prince, Maître Bernard Saint-Ville, confirmé, c'est juge d'instruction Merlin Bilabré qui travaille sous gros dossier chef gang village dédié à marchand des salines, non, Arnel Joseph. Maître Saint-Ville déclaré, magistrat déjà attendait plusieurs moun, non, cadre a fait ça. Yon tibout nan déclaration, on suive. Merlin Bilabré, il commence à travailler là-dedans. Bon, chef d'instruction, pas obligé de tout ça à la fin. Même bon, elle commence à travailler, il tend des moun, il planifie des bagages pour n'a pas continué sous une autre triste. Des moun mouri, plusieurs autres blessés dans un accident machine jeudi soir. Dans un passe Rémy, dans Delma 32, c'est une machine qui perd du frein, qui a frappé plusieurs jeunes qui tapent jouer football. Ambulance te mène un blessé dans l'hôpital La Paix qui n'en Delma 33. L'autre dossier collectif Femmes engagées pour Haïti décide d'organiser une marche dans la capitale là dimanche pour capable condamner insécurité et puis forcer autorité à prendre responsabilité. Mesdames, vous avez profité de dénoncer la vie chère, corruption et violence qu'a fait sur vous dans la société. Milor Marjorie et Valida River, des membres strictissa, dans le micro Jimmy Dicas et David Mercieux. Dimanche 18 août 2019, là, 10h boule dans le matin, Femmes ont pris le marché pacifiquement en pile énergie n'importe quoi. Femme yon pral marché côté sécurité qui blaye tout partout, qui fait durer la vie en haïtien, c'est 24 heures de temps renouvelable. Femme yon pral marché contre la misère, la vie chère, corruption et délinquance généralisée. Femme yon pral marché dimanche contre l'état païtil qui mettait nos fait noir la journée coule en nuit. Côté femme enceinte a mouru dans l'accouchement sous table opération à l'hôpital. À cause de blackout, ça a déjà fait dans tout racoin sous tifi. Sous grand monde, ak sous étudiants, dans l'indifférence, yon l'état payas.
Femme yo pral marché pour réclamer bon jan conditions salaire à fonctionnement pour ouvriers ka bouriké dans factory yo. Femme yo bouqué garder petit yo nanje, sans yo pa ka ba yo manger. Femme yo bouqué garder petit yo nanje, sans yo pa ka voye l'école ak nan université. Femme yo pral marché contre l'état escamoté. Qui dit li fixé ouverture l'école là pour 9 septembre k'ap vini là pendant nous même maman petite nous pou prendre carnet timoun yo pour année passée a. Nous cassé rendez-vous 18 août là dans un match femme pacifique k'ap démarrer Kafou aéroport la passer Nazon descendre la li rentrer Riel Ben descendre Boisvena virer devant radio Kiskeya saluer un symbole résistance femme contre agression ak attaque vagabond. Match la ap descend avenue Marie pour Fomio a délivrer un message sur la place Constitution Chatbasse. Gen 2.6 millions monde qui gen gros problème pour yo manger en Haïti, c'est le rapport Conseil National Sécurité Alimentaire CNSA. Député Limonade Land dans département Nord, Tanis Tertius a déclaré ses mauvaises gouvernances PIA depuis 30 ans qui la cause situation ça. Parlementaire a déclaré fort que position nationale là t'a joué un bon Jean Jarret pour situation capable changer en côté le micro Edlaine Vernal avec David Mercieuse. Je suis suivi dans 30 dernières années passées. Pourquoi ouais, aucun gouvernement qui penchait directement sur la question de sécurité alimentaire? Parce que nous avons toujours été en l'air, nous avons toujours été à faire bon genre de discours, bel discours, parler gros français. Après ça, le peuple a même mouru dans la misère. J'ai toujours dit que y a une bagaille, y a une activité pour capable manger, pour capable couper ça que les insécurités alimentaires, c'est question agriculture. Mais gens que tout gouvernement qui passe à aborder l'agriculture, je ne sais pas que le peuple a non ligne pour nous capable résoudre, pour nous capable satisfaire sa quelle autosuffisance alimentaire. Pour parler de l'agriculture, si vous n'avez pas un bon environnement, vous n'avez pas parler de l'agriculture. Normalement, nous avons 30 bassins versants dans le pays. Nous avons 25 ans qui dénudés, qui érodés, environ 5 bassins versants qui ont un aménagement qui fait dans eux. Et mais c'est normalement. Faut que toujours gagne grand goût depuis que c'est importé ou à importer manger ou pas produit ou pas jambouquer ou pas jambouquer grand goût parce que depuis 20 tout c'est sous côté extérieur et c'est côté à l'étranger lié ou pas jambe qu'à satisfaire ça que l'autosuffisance alimentaire en dedans parlement c'est la politique qui a fait pas une bonne politique qui a fait si une bonne politique qui a fait. Je pense que journée aujourd'hui à côté nous hier nous pas tap là encore. Sous Bopal, député Grand Grove Jean-Marcel Lumeran déclaré gain plus monde qui pral gain gros problème manger toujours à cause crise sociale et économique là. Parlementaire qui dans groupe minorité a arrêté quoi équipe qui sous pouvoir pas qu'à répondre avec besoin citoyens qui plus pas gain moyen yo. Jean-Marcel Lumeran dans micro Edlaine Vernal avec David Marcius. Ou gagner un gouvernement qui pas gain aucun programme social ou politique sociale qui ca permettre que li river sous population hein? Donc c'est normal que le niveau de production nous très faible et que nous avons importé tout ça vers l'extérieur. Nous gagnons l'argent qui a détérioré au fur et à mesure. Donc, on va constater que nous sommes en situation. D'ailleurs, même les gens qui sont dans la classe moyenne, qui sont à travail dans l'État, aujourd'hui, ils tombent dans une situation de sécurité. Aujourd'hui, qui gagne 25 000 gouttes qui ont travail brut dans l'État. Et après, taxi 21 000 gouttes, mais moun sa, c'est pour dire un monde qui tombait presque en dessous de seuil de pauvreté. Raison, c'est que c'est des gens qui peuvent considérer qu'ils peuvent gagner au moins 1000 gouttes pour le passer une journée. Alors que personne, je dis, n'est pas capable d'arriver à passer une journée de 24 heures avec 1000 gouttes à disposition. Donc, situation économique pays est très précaire, vient faire que la population, chaque jour davantage, a fait face à des complications dans la possibilité pour satisfaire les besoins. Malheureusement, au niveau du Parlement, il y a un déficit en termes de production législative, donc pas gagné de texte à caractère social donc qui penché sur le problème ça. Et de plus, le gouvernement nous gagne aussi des gouvernements qui mêlent, qui ne pas penché sur le problème social. Et question d'insécurité alimentaire, là, il fait partie de un problème social. Toujours dans le même dossier, ça, Union européenne décaissé 9 millions d'euros pour aider l'administration Moïse Lan combattre crise humanitaire dans le pays, côté monde pas qu'à manger. Gain 150 000 monde, côté qui plus frappé, qui a bénéficié de programme ça. 5 000 petits monde qui gagne moins passé 5 ans, qui gagne gros problème manger. Abjoint tout, yon assistance dans mes organisations.
L'année passée, l'Union européenne a donné Haïti 12 millions d'euros pour capable aider l'autorité yo, bay citoyens qui n'ont plus besoin yo manger, mais ça pas empêché situation vin pi grave. Quantité moun ki pa capable manger yo doublé dans l'année 2019 là, côté yo rivé nan 2.6 millions, ça représentait 25% nan population. D'après l'Union européenne qui rappelait depuis 1994, Haïti c'est principal pays li bay assistance humanitaire nan région ak yon valeur 400 millions euros li dépensé nan sans ça. C'est le moment pour nous passer dans le journal international. Nous restons branchés, nous tournons. Merci parce que vous êtes toujours ensemble avec nous sur Télépacifique. Nous allons faire un petit coup de pied dans le pays de l'autre bord de l'eau. Dans le pays étranger, pour Pipiti, des gens mourir, 25 autres blessés, jeudi, dans l'explosion, une bombe dans une mosquée dans Baloutchistan, une province instable qui est dans le sud-ouest pays Pakistan. C'est une bombe artisanale qui explosait en bas une chaise imam mosquée à chef là t'apral chita c'est à distance terroriste activé bombe là d'après la police. Aucun groupe pour revendiquer attentat ça dans Baloutchistan qui c'est plus gros province Pakistan et c'est lui qui plus pauvre tout pendant la trouvelle sous frontière entre pays l'Iran et Afghanistan. Toujours dans dossier international là. Aux États-Unis, élu démocrate Rachida Tlaib décidé par Nancy Jordanie pays Israël occupé dans la Palestine à cause trop conditions racistes autorité opposée gouvernement israélien te fin bal autorisation pour talwe grand li parlementaire qui gen origine li dans Palestine déclaré dans un tweet li papral encore membre congrès américain qui se yon femme toujours dénoncé politique raciste autorité israélien yo dans Palestine ça parle dans sens bataille la mené contre racisme oppression injustice d'après sa parlementaire a fait connait. C'est première femme élue dans Congrès qui gagne racine li dans la Palestine et c'est président Donald Trump qui semblait mander autorité yo en Israël pour empêcher Elisa faire visite ça. Te gagne l'autre élue qui te doit aller tout dans cadre virer on ça. Pas oublier suivre nous sur Facebook, Twitter, Instagram, YouTube et puis radiotelepacifique.com et puis sur Canal Plus chaîne 180D, Télé Haïti New TV chaîne 54 et puis Bahamas Nassau sur Cable Bahamas chaîne 384. C'est là nous mettons un bout dans journal nous. Merci parce que vous avez suivi ensemble avec nous. Restez branchés Télé Pacifique pour reste programmation yo. Au revoir, bon week-end tout le monde.